4 en grenadine en extérieur. Et quelle joie pour nous, c'est d'accueillir pour une fois sur Télé Luxembourg Johnny Hallyday. Vous savez qu'on vous aime beaucoup dans notre zone d'écoute, Johnny Hallyday. Ben, c'est gentil. Johnny, on a vu votre spectacle à Pétanche ce soir. Moi, je trouve que le public belge, mélangé avec du public français, un public luxembourgeois, c'était quand même un public très chaleureux ce soir. Bon, ben, écoutez, ça fait partie des 3 meilleurs publics. Alors, les trois réunis, ça ne peut faire qu'un bon public. Voilà. Tout de suite, eh bien, on va passer à l'actualité. Bon, vous êtes un rocker et vous savez qu'un des créateurs, ou plutôt le créateur du rock'n'roll vient de mourir. C'est lui qui a dit rock everybody, roll everybody. 3 ans plus tard, c'est donné rock'n'roll. Bill Haley s'était éteint à l'âge hier de 52 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel était pour vous, qu'est-ce que lui représentait pour vous exactement? Écoutez, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, sans que ce soit un rocker, déjà, quand quelqu'un meurt, déjà, je veux dire, c'est déjà très triste. Enfin, moi, j'aime pas que ce soit n'importe qui, je veux dire, de n'importe quel métier, enfin, un homme ou une femme, en général. Bon, maintenant, tout ce que je peux dire en ce qui concerne Bill Haley, c'est que, malheureusement, ça fait, dans les créateurs du rock'n'roll depuis le début, enfin, ceux, disons, qui ont fait connaître le rock'n'roll au public, disons que c'est, malheureusement, ça s'en est encore un en moins. On disait, bon, Bill Haley, Elvis Presley. Elvis Presley a... Moi, je vais vous dire tout de suite, moi, je n'étais pas vraiment un fan de Bill Haley. Parce que, pour moi, Bill Haley, c'était pas vraiment, disons, du rock'n'roll. Il y avait des mots, le rock'n'roll, c'était pour moi, c'était plutôt... c'était du rock'n'roll, disons... pour faire danser les gens, plus que visuel, pour... disons qu'Elvis Presley, c'était un personnage sur scène qu'on pouvait aller voir, ou Gene Vincent, ou Eddie Cochran, qui, disons qu'il avait une personnalité tout seul, et qu'on pouvait aller voir, et qui avait un style bien particulier. Bon, Bill Haley, il était considéré un petit peu comme le pépé du rock'n'roll, disons. Mais je veux dire, bon, mais il a disons qu'il, c'est vrai, il a fait partie, si ce n'est pas parmi les premiers, en tout cas... Peut-être le premier, d'ailleurs, disons, qui a lancé le style du rock'n'roll. Il faut quand même rappeler que le rock'n'roll est un mélange, au départ, de rockabilly, c'est-à-dire de country music, et un petit peu de, disons, de blues. De blues et, bon, avec un mélange de musique de noir, comme ils font dans les églises aux États-Unis.